Bonjour Jeff. Bonjour Laurent. Merci de recevoir Stanislas Guérini. Effectivement, Stanislas Guérini, le numéro un délégué général de La République En Marche que nous recevons au Cas de Vérité. Bonjour Stanislas Bonjour. Guérini. C'est un compromis que le Premier ministre a annoncé hier. Déconfinement maintenu le 15 décembre, mais instauration d'un couvre-feu vu que le nombre de cas continue d'être élevé. Est-ce qu'on ne risque pas, dans ces conditions, d'assister à un nouveau rebond de l'épidémie ? Il y a toujours un risque. Vous savez, depuis le début de cette crise, de cette épidémie, en réalité, le gouvernement, il doit toujours choisir entre la moins mauvaise de deux solutions. C'est ça depuis le début. Et donc, hier, il y a des choix qui ont été faits, des choix courageux, qui sont évidemment durs à entendre quand il s'agit de la culture, quand il s'agit de sacrifier la soirée du réveillon. Et je crois que c'était des choix responsables et surtout des choix nécessaires. Parce que oui, il y a un risque, évidemment. Et il faut dire la vérité. Il y a un risque que cette épidémie, elle reprenne. Regardez ce qui se passe dans les pays voisins, en Italie, dans beaucoup de pays européens. Beaucoup de pays connaissent aujourd'hui une troisième vague. Personne n'est à l'abri. Et donc, on a tous en tête la situation de nos hôpitaux. Par deux fois, nos hôpitaux n'ont failli pas tenir quand même. Il faut se souvenir de ça. Ils ont tenu. Ils ont tenu et c'est le choix qu'on veut faire. Mais cet allègement était donc nécessaire puisque le risque que vous évoquez est aujourd'hui présent. Je le crois parce qu'il faut que les mesures que nous prenions soient acceptables pour les Français. Et je pense qu'autour du réveillon, de la soirée de Noël, il y a un besoin immense de pouvoir se retrouver. Mais cette soirée-là, elle est particulière. Je pense que chacun a en tête qu'on va faire attention à nos aînés si on veut passer la soirée avec ses parents, avec ses grands-parents. En revanche, la soirée du réveillon, c'est une soirée qui est beaucoup plus sociale. Et je pense que c'était le choix Guérini, juste. Comment les policiers vont parvenir à empêcher les rassemblements inhérents au 31 décembre? C'est du jamais vu. Hein. Un député, les Républicains, Julien Aubert, disait hier qu'il souhaitait bon courage aux policiers face à une situation qui risque d'être ingérable. Bien entendu, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est la raison pour laquelle la mesure qui a été prise, c'est de ne pas lever le couvre-feu le soir du 31. Et donc, la règle, elle sera la même que pour les autres soirs. Après 20 heures, on ne sort pas. On reste chez soi et donc on ne va pas chez des amis. Mais vous faites question, confiance à l'autodiscipline des Français. Votre question, elle porte un point qui est extrêmement important. C'est qu'en réalité, on a tous une responsabilité collective. Vous savez, le gouvernement, il prend des décisions qui sont aussi des signaux. Là, le signal, il est extrêmement clair qu'a donné le Premier ministre. On n'a pas gagné la bataille. Faites attention. Il y a ces derniers jours un relâchement à l'approche du déconfinement. Nous devons être responsables. La solution, nous la tenons, chacun d'entre nous, entre nos mains. Je pense que c'est ça le message de santé publique qu'il faut passer. Dès qu'on a des symptômes, on s'isole, on continue absolument les gestes barrières. Il y a cette perspective qui est magnifique, qui est celle d'un vaccin. C'est d'ailleurs, incroyable que l'humanité puisse mobiliser à ce point pour trouver un vaccin. Mais on en est encore très loin, vous avez bien raison. Donc pour l'instant, c'est la responsabilité collective. Les lieux de culture, vous le précisiez, vont rester fermés. Les exploitants de cinéma disaient hier, je les cite, qu'ils sont consternés et révoltés, idem pour les directeurs de théâtre. Comment leur expliquer qu'on se contamine plus dans une salle de cinéma où l'on respecte des distances de sécurité, où l'on porte un masque, que dans les queues des grands magasins ou dans les transports? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends parfaitement leur réaction. Mais qu'est-ce que vous leur expliquez? Je comprends parfaitement leur réaction, même si, évidemment, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, on va continuer à les aider massivement, on mobilise tous les moyens. Je crois qu'il y a peu de pays au monde qui aident ces entreprises, mais aussi ces exploitants culturels comme la France. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce virus, c'est un virus social. Oui. Quand on se déplace, il se déplace avec nous. Et donc, réouvrir les lieux de culture, c'est malheureusement favoriser mécaniquement les déplacements, les files d'attente, etc. Mais c'est la même chose dans les magasins, donc, Monsieur Guérini. Oui, bien sûr. Mais donc, la question, ce n'est pas tant... Est-ce qu'ils ont été rigoureux? Est-ce qu'ils mettent en place des protocoles pour s'asseoir dans un cinéma? La réponse est oui, ils ont été absolument rigoureux pour préparer ces réouvertures. Mais simplement, avoir les files d'attente dans des cinémas, les files d'attente dans des musées, tout simplement entraîner le volume, augmenter le volume de déplacement de la population, bien ça, ce n'était pas responsable. Donc on demande cet effort supplémentaire. Vous savez, c'est courageux de la part du gouvernement. C'était beaucoup plus facile de faire semblant de ne pas voir et de laisser réouvrir. C'est certainement meilleur pour les sondages, mais moi, je suis aussi fier de faire partie d'une majorité qui est responsable, qui est courageuse
Parce que je pense que la responsabilité de première, c'est de protéger nos concitoyens. Vous parlez des sondages. Le gouvernement doit faire face à la défiance des Français. Seuls 36% d'entre eux, selon un sondage justement publié hier, font confiance à l'exécutif pour régler cette question du Covid. C'est en baisse depuis un certain nombre de semaines. Est-ce que cette défiance, elle ne s'explique pas par le fait qu'Emmanuel Macron a peut-être fait miroiter trop d'espoir lors de son allocution du 24 novembre et que finalement, ces espoirs ont été douchés? Je ne crois pas. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Il y a des pays qui, justement, ont pris des décisions au mauvais moment de dire on va laisser les commerces ouverts, par exemple, et puis, catastrophe, 15 jours plus tard, ils refermaient tout, ils confinaient de façon plus dure que nous. Ce qu'a fait le président de la République, c'est qu'il a donné des perspectives durables et il les a données. Mais qui ont changé? Non, parce que le président de la République avait conditionné ces perspectives-là à l'évolution du virus. Et donc, ce qui rend les choses explicables aujourd'hui, c'est qu'on sait dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas atteint le niveau de contamination, 5000 par jour, qu'on souhaitait atteindre à ce moment-là. Et donc, c'est compréhensible qu'on prenne ces décisions-là. En parallèle de la reprise de l'épidémie, Stanislas Guérini, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lui, est mis en cause par une commission d'enquête du Sénat sur l'action qu'il a pratiquée en 2018 lorsqu'il s'agissait de renouveler le stock des masques. On lui reproche, en gros, d'être responsable bien de ce non-renouvellement. Olivier Véran, lui-même, a reçu son directeur général de la Santé. Hier, est-ce que Monsieur Salomon, qui continue d'exercer ses fonctions, est aujourd'hui fragilisé? Est-ce qu'il peut rester à sa place? Vous savez, d'abord, sur cette commission d'enquête, Jérôme Salomon, et le ministre de la Santé l'a indiqué, il a lui-même transmis toutes les informations. Le rapport d'enquête laisse entendre qu'il y a des mails qui auraient été découverts, etc. C'est des mails que Jérôme Salomon a transmis lui-même. Donc il y a une transparence qui est absolument totale sur cette affaire. Mais est-ce qu'il est responsable de la pénurie de masques? Le ministre de la Santé a indiqué que le directeur de la Santé allait apporter toutes les explications. Alors, moi, je lui fais confiance, évidemment. Vous savez, dans ce genre d'affaires, je ne suis pas capable de commenter plus que ça, il faut de la transparence. Est-ce qu'il y a de la transparence? Je le crois. Et donc, on va continuer d'avancer comme ça. Et en attendant, évidemment, confiance aux décideurs. Parce que je crois que depuis le début de cette crise, les meilleurs efforts sont faits pour protéger les Français. Autre sujet, Stanislas Guérini. Demain, de nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale de Gérald Darmanin vont avoir lieu en France, pas à Paris. La coordination qui est contre cette loi n'a pas appelé à des manifestations parisiennes. Néanmoins, on voit que la police semble impuissante face pour empêcher l'action des casseurs. Est-ce qu'il faut changer la loi pour empêcher en amont ces casseurs de venir sur les manifestations, comme vous aviez tenté de le faire il y a quelques mois? Il faut changer la loi. Vous l'avez dit, c'était notre intention. Aujourd'hui, mais le Conseil constitutionnel avait censuré. De accepter que des gens, des individus, s'organisent, s'entraînent, s'équipent, s'arment pour venir casser, voire pour venir tuer. Je suis allé voir il y a quelques jours le policier qu'on a vu au sol, lynché dans une manifestation. Il m'a dit une chose qui m'a frappé. Il m'a dit: mon obsession, c'était de ne pas m'évanouir. Parce que si je m'évanouissais, je pense que je ne me réveillais pas. Quand des gens lancent des engins explosifs et font brûler des policiers, eh bien, ils viennent pour tuer. Et donc, je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Nous devons prendre des mesures pour faire en sorte que ces individus, qui sont souvent identifiés, ne puissent pas participer. Parce que ce ne sont pas des manifestants. Ils n'ont pas de mot d'ordre, ils n'ont pas de revendication. Ils viennent pour casser, ils viennent pour tuer, quel que soit le motif de la manifestation. Et d'ailleurs, les premiers qui en pâtissent, ce sont les manifestants eux-mêmes, parce qu'aucun message ne peut être passé à cette occasion. Donc, il faut pouvoir effectivement protéger les manifestants, protéger les forces de l'ordre. Et donc, nous devrons respectueusement, par rapport à ce que le Conseil constitutionnel a dit, trouver les voies et moyens pour pouvoir effectivement empêcher ces individus de nuire. Le Conseil constitutionnel avait censuré le fait que les préfets puissent interdire en amont les potentiels casseurs d'être présents dans une manifestation, et ce, sur une durée d'un mois. Pourquoi est-ce qu'il a été retoqué il y a un an? Il faut peut-être trouver d'autres moyens législatifs et indiquer aussi que tout n'est pas législatif. Ce sont aussi les moyens qu'on donne aux forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle on veut les protéger davantage. On veut protéger leur intégrité physique. Les protéger, c'est aussi qu'ils soient plus nombreux. Aussi qu'ils aient plus de matériel. C'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens pour justement pouvoir répondre à ce besoin d'ordre qui est un besoin naturel dans une démocratie. Sur le fond, protéger les policiers, ce sera la dernière question. C'était l'article 24 tant contesté qui justifie ces manifestations. Vous aviez promis une réécriture de cet article 24 de la loi de Gérald Darmanin. Où ça en est? On a l'impression qu'il y avait une urgence et on en parle. Il y a un travail qui est en cours. Ce qui était urgent, c'est de très rapidement rétablir nos intentions. Notre intention, elle est extrêmement claire. Ce n'était pas d'amoindrir la liberté d'expression ou d'information. Notre intention,
c'était de protéger les policiers pour pas qu'on puisse les jeter en pâture sur les réseaux sociaux. Donc le nouveau texte, il sera proposé par les députés avant la fin de l'année. Il y a des travaux, des auditions qui sont en cours pour justement apaiser les choses. Avant parce que notre société, elle a besoin d'apaisement aujourd'hui, mais de ne pas perdre cet objectif-là. Protéger nos forces de l'ordre, c'est absolument impératif. Merci Stanislas Guérini.